Yo, salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est le Matt, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, non d'une réplique d'armes, mais d'une arme à feu. Aujourd'hui je vais vous présenter le fusil à poudre noire de chez Ardessa, donc c'est un Rangers, une Rangers. Comme toutes les armes à poudre noire, il se charge par le canon, donc une dose de poudre, une dose de moule, une balle. Avec la petite tige de rechargement, on met la balle. Et on enfonce dans le canon, voilà, comme toutes les armes à poudre noire. Ceux qui connaissent, ne se posons pas de questions sur le domaine. Donc pour les caractéristiques de ce petit fusil, donc il fait 1 mètre au total. Le canon fait 71 cm, 70 cm, on va repartir. Hein. Le poids, je ne sais plus exactement, mais c'est quand même une belle bête. Au niveau des organes de visée, donc là, bien sûr, ils ont été rajoutés. Donc c'est des organes de visée de pêcher Pedersoli, donc pour le tir sportif. De l'autre côté, pareil, il y a le tunnel. Donc c'est un coup, percussion, un coup. Voilà, tout ce qui est plus classique, avec des amorces, je vous montrerai un peu plus tard. Pour la petite histoire, ce fusil était utilisé par les trappeurs canadiens à peu près en 1880 pour chasser le grizzly en fait. C'était leur arme de chasse, quoi, tout simplement. Donc je pense avoir à peu près tout dit sur cette bête. Donc voilà, on va passer tout de suite au test de tir.